Salut Bouzeux, pour aujourd'hui on va faire un petit vlog simple et rapide pour parler de l'évolution de la chaîne, car ça y est, on a dépassé les 10 000 abonnés Je pense qu'on peut dire que ça s'arrose, hein. Mais à la vôtre. Ah, C'est la 53ème prise là, j'en ai marre. Bienvenue donc aux 2000 nouveaux abonnés de ces 5 dernières semaines qui sont arrivés grâce à Astronogeek, hein. Merci à lui. Suite donc aux 4 heures, hein, heures d'émission pour débunker ces deux vidéos. C'était visiblement très attendu hein, et, et très apprécié aussi. En, en dépit du montage un petit peu foireux au début de la deuxième et puis euh, au niveau de la première émission, je ne sais plus ce qui avait merdé. Je crois que c'était le son, je, je crois. Mais dans tous les cas, ça a permis de dépasser la barre symbolique des 10 000 abonnés. Mais ce n'est pas tout. En plus de cela, euh, on a atteint les 100 tipeurs, hein. euh, merci à vous de me soutenir financièrement. On a aussi dépassé le million de vues sur la chaîne, et tout ça, pour les deux ans, car la chaîne a été ouverte le 28 août 2018, et pour les deux ans, eh bien on en est à 10 000 abonnés, 1 million de vues et 100 tipeurs. Je ne sais pas si c'est correct, mais euh, moi ça me plaît. Donc je vous remercie euh, de me suivre, hein, euh, j'essaierai de continuer évidemment, hein, de m'améliorer. Et comme je l'avais dit dans un vlog précédent, et eh bien pour les 10 000 abonnés, comme pour les 5000 abonnés il y avait eu un micro, et eh bien pour les 10 000 abonnés, ça sera une caméra. Euh, je fais une petite pause là, euh, je suis au montage et vous aurez remarqué que je bafouille. C'est parce que j'ai pas de texte et puis là j'ai fait le choix d'être un peu un peu naturel un hein, minimum hein, de préparer, euh, préparer un peu mes phrases mais euh, voilà de pas pas les lire en fait et vous aurez remarqué que euh, c'est laborieux hein c'est laborieux et non c'est pas c'est pas à cause des, des, des 3 trois litres de bière que je me suis enfilé ah, c est, c est, non non c'est parce que j'ai fait de l'orthophonie tout ça j'ai commencé à parler très tard euh, et voilà c'est bon. moi à la base j'écris quoi merde Bon, euh, on, reprend, euh, on reprend ce qu'il disait l'autre con, enfin ce que je disais. Mais... Bah, euh, quoi Je vais donc commencer à me renseigner pour avoir une caméra. Et si vous êtes un professionnel, un, un ingénieur de l'image... Je sais pas, il y a des ingénieurs du son. Ben, J'avais demandé à un ingénieur du son pour me conseiller un micro. Alors s'il y a des... Je ne sais pas, des ingénieurs de l'image. Parce que moi, j'y connais rien, hein. alors euh, bon. Eh ben, n'hésitez pas à euh, m'envoyer un message privé euh, sur Twitter ou sur Facebook, et euh, au pire des cas, euh, dans les commentaires, hein, euh, pour euh, me donner des conseils. Parce que moi, à la base, mon truc, c'est plutôt d'écrire des textes, hein. c'est pas de faire le mariole devant une caméra. Devant une caméra. Bah, voyez la preuve. Il aucun rapport avec la bière. Non. Hmm. Moustache à la bière. Qu'est-ce que je disais déjà Je pensais à parler, à rappeler par rapport au financement. La chaîne, il y a sur la chaîne, il n'y a pas de, de pub. Il n'y a pas de sponsor non plus, parce que évidemment, la chaîne elle est petite, mais bon, c'est une chaîne politique et en général, ils aiment pas trop. Mais de toute façon, pour des raisons politiques et éthiques, il n'y aura pas de publicité ni de sponsor sur la chaîne, hein. Euh, sauf si. Ah oh, Si je fais un million de vues et euh, que je me prends à être un peu cynique bon faut voir mais à la rigueur à la rigueur euh, un, 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 un brasseur ouais 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 un brasseur je suis prêt à faire de la pub pour une brasserie Ça, voilà, faudrait euh, m'envoyer un, un petit un petit financement et puis euh, et puis un gros deux trois caisses de bière euh, là ouais, ouais voilà je, je serais prêt à faire de la pub pour vous mais sinon euh, non 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 League of Machin, euh, Nord Truc, euh, non. Et donc le financement, hein, c'est, je le rappelle, pour qu'on soit bien tous d'accord là-dessus, hein, c'est du pourboire, donc c'est pour un service rendu, hein, comme un, un pourboire. Hein, donc c'est pas en espérant que je vais faire quelque chose, pas pour éviter de me foutre la pression, mais c'est par, par rapport à ce que j'ai déjà fait, hein, c voilà, comme un pourboire. Voilà. Et donc ça participe hein, évidemment au développement de la chaîne, hein, parce que je vais comme ça acheter ben, une caméra, hein ça sera mieux, hein vous verrez euh, ma, ma moustache en, en haute définition. Hein moustache comme ça quand même, c'est. Ce sera mieux en haute définition. Hein On est d'accord. Bah ben ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus euh, je, vais je vais réfléchir pour faire un truc spécial pour les, les deux ans et tout ça. Là, c'est juste un vlog parce que je, je décompresse après les 5-6 semaines à me taper le discours d'astronogeek là. Oh, putain. Ah, il en euh... tient une couche quand même. Je vais pas revenir là-dessus hein, puisque j'en ai déjà parlé pendant trois quarts d'heure. Euh, trois, trois, trois heures, trois quarts. Ça paraît long mais en fait, la base euh, du, du contenu, c'est quand même une heure. Donc, on passe de une heure de contenu analysé en quatre heures, en fait ça va, hein, parce que j'ai plein, euh, j'ai plein dans les autres œils du bouseux. Je me repose sur du contenu qui dure dix minutes, un quart d'heure et j'en fais une vidéo de une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Donc finalement en fait ça va, c'est juste parce que à la base le matériau de base, il euh, bah, y a une heure de vidéo il a fait, donc forcément. Mais bon on va parvenir là-dessus. Je rappelle que je serai euh, si tout se passe bien, si le temps le permet. Euh, si les dieux sont avec moi, euh, je serai euh, chez Mittl euh, sur YouTube, enfin sur Discord et ça sera retransmis sur YouTube et sur Twitch euh, pour un live sur le thème du, du scepticisme et politique avec euh, notamment Hygiene mentale et puis euh, et puis euh, Jean-Michel Labrassard et puis une représentante euh, euh, d'une organisation, enfin je sais pas trop mais des meufs féministes qui s'organisent pour faire de la zététique entre meufs, parce que pour éviter de se faire emmerder par des connards. Genre des types qui banalisent le viol, au hasard. Et donc ça sera à 20h et je vous mets les liens dans la description. Écoutez, on va terminer avec le chat, ça fait un moment qu'il n'est pas passé dans l'émission. Dans, dans hein. Candy Candy Au pied De chat. Voilà. Dis bonjour. C'est grâce à eux que tu peux manger à ta faim. Dis bonjour. Bah, il, il était en train de somnoler, alors il n'est pas, pas très vigoureux là. Il n'est pas très très vigoureux. Bah, allez, râle un peu. Dis quelque chose. Tu fumes Bon ben, bah, on se retrouve, euh, je sais pas, peut-être sûrement la semaine prochaine. Je sais pas pour quel sujet. Euh, je trouverai bien. Je, de toute façon, j'ai une quarantaine, euh, quarantaine de sujets euh, dont une vingtaine euh, en cours. Donc on verra ce que je ferai la semaine prochaine. Et normalement, on se retrouve la semaine prochaine. Hein, donc euh, à plus. Salut, bouzeux.